Très heureux de vous accueillir au Théâtre du Châtelet. Soyez les bienvenus pour cette 65e édition du Ballon d'Or France Football après un an d'interruption. On est tellement heureux de renouer avec le prestige, l'excellence, la fascination pour l'objet le plus convoité par les footballeurs partout dans le monde. On est ici au Théâtre du Châtelet pour vous faire vivre le tapis rouge. Le Ballon d'Or qui vient de s'élancer depuis les locaux de l'équipe de France Football. Il sera conduit. Alors regardez, les deux personnages avec ces casques-là, on les découvrira que pour l'ouverture de la cérémonie, Jo. Ah, vous avez une petite idée ou pas ? C'est pas les Daft Punk. Non, ah, voici Robert Lewandowski. Ah bah, on parlait de cette année d'interruption. Est-ce qu'on a sous les yeux le Ballon d'Or 2020 ? Si le Ballon d'Or avait eu lieu il y a un an. J'espère bien, oui. Hésitation, oui. Là, il n'y avait pas match. Net et précis. Franchi un cap au niveau des stars. Spider-Man, ça vous dit ou pas ? Zendaya, l'actrice, évidemment, avec... Superbe. Avec Tom Holland. Et voici Tom Holland. Donc, Monsieur Spider-Man est là pour le Ballon d'Or ce soir. Il est fan de foot. Vous sortez de l'Elysée où vous avez assisté à la Légion d'honneur de Philippe Tournon et de Mohamed Souanji, qui est officier de sécurité de l'équipe de France. Et vous êtes là maintenant pour le Ballon d'Or. C'est une journée chargée, une belle journée. Très belle journée et une très belle soirée, probablement. Un gardien exceptionnel, Gigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, en course pour le Ballon d'Or et finaliste. Il fait partie des 10 finalistes, lui le champion d'Europe, et en course évidemment pour le trophée Yachin. Kylian Mbappé, quatrième. En 2018, 6e en 2019, 7e en 2017 et qui est de nouveau dans les 10 finalistes cette année. Bah, clairement, s'il avait fait un grand championnat d'Europe et si la France est allée loin lors du championnat d'Europe, il aurait été un prétendant à la victoire finale. Évident, là, il est plus en outsider. Faisant venir forcément le plus grand joueur de ces dernières années, voire de tous les temps, c'est forcément les projecteurs sont sur lui et sur le PSG par conséquence. Accompagné de sa famille, sa femme, ses enfants. Léo Messi est là. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Ah, le fameux costume. Alors observons et écoutons le public pour l'accueil réservé à Léo Messi. Énorme cohue autour de l'arrivée de Léo Messi. Ça se bouscule énormément sur ce tapis rouge ici en direct du Théâtre du Châtelet France. Racontez-nous. Oui, la barrière est tombée, tout simplement. Les supporters sont tellement fous et passionnés d'approcher de la Pulga qu'ils en ont fait tomber la barrière. Heureusement, plus de peur que de mal, le service d'ordre a remis tout ça. Mais incroyable cet engouement, on ne s'entend plus sur le tapis rouge. Alors, c'est important de témoigner de la ferveur, vraiment. Il y a deux ans, Léo Messi, c'était une star, il était accueilli en tant que tel. Mais franchement, on est à des niveaux bien supérieurs cette année par rapport à l'accueil pour Léo Messi. De toute façon, Léo Messi, on l'a dit il y a deux ans, c'était la folie parce que tout le monde venait voir les stars du ballon rond. Là, ils viennent voir Léo Messi, star du ballon rond et en plus, joueur du Paris Saint-Germain. Vu qu'on est à Paris, évidemment, il y a plein de fans du PSG dehors qui rêvaient de l'apercevoir. Ils peuvent le voir au Parc des Princes ou dans les stades en France, mais là, c'est encore plus proche d'eux. Donc, puis aussi, les fans rêvent qu'il y ait un club français après l'Olympique de Marseille en 91 et Jean-Pierre Papin qui remporte un ballon d'or. Mesdames et messieurs,
Ladies and gentlemen, merci d'accueillir les maîtres de cérémonie. Please welcome the host of tonight's show, Madame Sandier Ribert et Monsieur Didier Drogba. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à la cérémonie de remise du 65e Ballon d'Or France Football. Que c'est beau de se retrouver tous ensemble en direct du Théâtre du Châtelet à Paris, en France, dans ce lieu mythique pour vous révéler le palmarès complet. Ils vont traverser justement ce tapis rouge, arriver ici dans la salle. Ces deux Ballons d'Or, cette récompense ultime que deux joueurs d'entre vous vont avoir ce soir. Ils sont élus évidemment par un vote de 170 journalistes provenant de 170 pays à travers le monde. Le Ballon d'Or, c'est un événement mondial, planétaire, on le disait Didier, 170 pays. Nous regardons en ce moment même, ils sont bien escortés, regarde, par nos deux pilotes qui arrivent en ce moment sur le tapis rouge. Ils arrivent, ils sont là, regardez. Deux ballons d'or de ce soir, ballon d'or masculin et féminin. Alors Didier, je me demande quand même à venir qui nous a apporté ces ballons d'or. Venez messieurs. Mesdames et messieurs, le retour des Daft Punk. Ok, we want to know, too much big suspense, let's have these taken off please. Regardez ça. Fabio, si vous êtes là ce soir, c'est pour remettre le premier ballon au meilleur joueur de moins de 21 ans. Et voici les cinq finalistes. Jude Bellingham, England. Mason Greenwood, England. Nuno Mendes, Portugal. Jamal Musiala, Germany. Pedri, Spain. Fabio, it's you. Open the envelope, please. The winner is... Fabio, voilà l'enveloppe. Pedri. Le vainqueur est Pedri. Il y a peu, j'ai eu 19 ans et je crois que la meilleure façon de le célébrer, c'était de recevoir ce prix aux côtés des meilleurs footballeurs au monde. Et je le dédie au Barça et à tous ceux qui m'ont appuyé jour après jour, en particulier au capitaine, par exemple Léo qui est ici. Merci pour ton aide. Ce trophée, j'en suis fier. Il me tient à cœur de récompenser ces attaquants qui font basculer des matchs, ces joueurs-là qui ont la responsabilité de finir les actions, ces hommes qui peuvent passer de zéro à héros ou de héros à zéro en une fraction de seconde. Et je connais bien cette sensation. Oui. Alors, j'ouvre l'enveloppe et le vainqueur est Robert Lewandowski. Je dois dire que je suis très fier d'être ici après presque deux ans de cette traversée difficile qu'a été la pandémie. Je suis très honoré par ce trophée, ce prix. Je sais ce que ça veut dire d'être là sur le terrain, être un buteur, parvenir à ses fins. Nice to be here after the c'est years and très agréable d'être ici deux ans après cette trêve. Merci d'être avec nous pour remettre ce ballon d'or féminin. Kylian, avant de parler de ce ballon d'or féminin, un mot sur toi. On a vu ton classement il y a quelques minutes. Un nouveau top 10 depuis 4 ans.
trois joueurs seulement ont réussi l'exploit de finir dans les 10 premiers à chaque fois. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et toi. Non, c'est un plaisir, mais je ne suis pas comme eux. Eux, ils ont gagné beaucoup de fois. C'est des légendes. Et j'ai la chance maintenant de jouer avec Léo. C'est un honneur incroyable. Donc, j'apprends tous les jours avec lui. Et juste avoir mon nom à côté des leurs, c'est un honneur et une fierté. C'est son Ballon d'Or féminin 2021. Jennifer Hermoso, Spain. Samantha Kerr, Australia. Lieke Martens, Netherlands. Viviane Miedema, Netherlands. Alexia Putellas, Spain. Kylian, c'est à vous. Et la vainqueur est Alexia Putellas. Je suis très ému, à vrai dire. C'est un moment très spécial. También es muy especial tener aquí a mis compañeras. Tout comme le fait d'avoir ici ce soir toutes mes coéquipières, et je suis très heureuse de vivre ce moment avec elles. Et si vous me permettez, je vais essayer de ne pas pleurer. J'aimerais dédier ce moment à quelqu'un qui a toujours été très spécial pour moi et qui le sera toujours. Pour qui je fais tout ce que je fais, j'espère que tu es fier de ta fille. Ce prix est pour toi, papa. J'aimerais prendre un moment pour parler de quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'aimerais saluer un homme qui a fait une véritable différence cette année. C'est un héros. Ça va au-delà du foot, au-delà de nous. Pour moi, ça a été le moment fort de 2021. Simon Kerr a sauvé la vie de son partenaire, Christian Eriksen, le 12 juin de cette année. Mesdames et messieurs, applaudissez le capitaine danois, Simon Kerr. Qui sont les cinq finalistes du trophée Yashin? Who are the five finalists? Let's find out. Gianluigi Donnarumma, Italie. Ederson, Brésil. Edouard Mendy, Sénégal. Manuel Neuer, Germanie. Jan Oblak, Slovénie. Je lui donne son trophée. L'enveloppe est sûre. Alors, Didier. Le trophée Yashin 2021 est attribué à monsieur Gianluigi Donnarumma. Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est... Lionel Messi.
Tu le veux, hein, ce ballon. Hein? Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Prends la parole, à toi la parole, s'il te plaît. Bueno, buenas noches a todos. Bonne soirée à tout le monde. La verdad que, à vrai dire, c'est incroyable, volver a estar acá. C'est incroyable d'être là à nouveau. Il y a deux ans, que eran mis últimos años, j'ai cru que ce serait mes dernières années, que je ne savais pas ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, me revoilà ici devant vous. Enseguida me empezaron a preguntar. On a commencé à me demander quand est-ce que j'allais prendre ma retraite. Et à vrai dire, en Paris, aujourd'hui, je suis là à Paris. J'en suis vraiment très heureux. Je suis très heureux d'être là. J'ai très envie de continuer à me battre et à atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Alors, je ne sais pas combien d'années j'ai devant moi encore, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup parce que vraiment, je m'amuse énormément. Ici, à Paris, je vais te demander de presser ce buzzer chez toi, ici, à Paris, avec ce 7e Ballon d'Or France Football. This is for you. C'est pour toi. This is it. La voilà. Tour c'est Dominique Paris. Et ce Ballon d'Or 2021. Voilà, tu es parti dans Paris, Léo, avec ce Ballon d'Or. Tu es ici, chez toi, à la maison. Bravo, deux monuments. Encore bravo, s'il vous plaît, à Léo Messi pour ce 7e Ballon d'Or.